cubes de sucre. On ne mince pas les solides, mais quand les solides sont les morceaux peuvent verser comme les graines du café. Les liquides, on peut les verser, ça prend la forme du contenant. Les solides, les dents sont dures et blancs et forts. Ils sont solides. Les os gardent ses formes. Ils sont solides. Les liquides sont mouillés. Ils prennent la forme du contenant. Ils peuvent être chauds comme café et thé. Une fois comme l'eau et le jus. Mais on utilise un balançoire pour mesurer la masse. On utilise un règle pour mesurer la longueur. On peut utiliser un cylindre qui gradue et mesure la volume. On peut utiliser une balançoire à mesurer la masse. Les liquides changent en solides. Quand tu as un bois de l'eau et mesure dehors, c'est fait les glaçons. Les molécules bougent vite et pas proche quand c'est l'eau, pas dans la glace, mais si c'est l'eau qui est dans la glace, ça ne peut pas bouger parce que les molécules sont trop proches. Les solides peuvent changer en liquide. Ils le font quand c'est chaud. Le flacon de neige s'affond à l'eau. Quand on mélange les liquides, quelques mélangent et quelques ne mélangent pas. L'huile et jus. L'huile et jus ne mélangent pas. Et l'eau et jus. Le mélange. Quand on mélange les solides et les solides, il reste la même. On peut séparer les morceaux. Les liquides et les solides peuvent mélanger. Quelqu'un ne change pas comme les raisins secs dans l'eau. Tu as besoin d'être sauf avec les produits explosifs et toxiques. Toujours demande un adulte pour le nettoyer. Quelques liquides et solides sont dangereux. Ils peuvent être corrosifs, ils peuvent être inflammables. Soyez prudents.